Alors, 130 ans de l'harmonie de Prince-Rollon, aujourd'hui 4 juin 2016. Important. Bonjour à tous, et si vous le permettez, nous allons nous dispenser du protocole et dérouler cette cérémonie en musique, avec la musique, et pour la musique, c'est le jour. Les premiers balbutiements de la musique à Prince-Rollon remontent en réalité à 1884, sous l'action de M. Octave Babin, instituteur, et c'est en 1986 qu'il créa la fanfare. 130 ans de l'harmonie, cet anniversaire est bien une bonne occasion pour donner un nom à cet équipement communal de la pratique musicale, raison pour laquelle nous sommes là. Le conseil municipal, l'harmonie et l'école de musique, dans leur concertation, ont retenu le nom d'un homme qui a beaucoup contribué au maintien de la musique dans notre village de Brun-sur-Olonne. Dès 1950, il est inscrit comme membre à la fanfare. Ensuite, il devient président de 1975 à 1998, tout en assurant aussi le poste de directeur musical de 1983 à 1996. Il a aussi, dans une période difficile pour l'animation de la formation, su trouver la formule pour convaincre M. Fabrice Fourmont d'assurer le poste de chef de musique, ce qui fut très bénéfique pour l'harmonie. Durant ses mandats de maire, de 1995 à 2008, il a mis toute son énergie pour que cette harmonie se maintienne et se développe en qualité. Il a été moteur dans la création de l'école de musique. Bien sûr, à cette occasion, le legs de M. Robert Garon est venu faciliter les choses. Son acharnement pour le maintien de la musique dans nos villages s'est montré payant. Vous en avez la preuve aujourd'hui. Bien sûr, vous l'avez tous reconnu. Celui dont je parle, vous le connaissez tous, et sans tarder, nous allons dévoiler son nom. Nous avons l'habitude à Brun de dévoiler le nom d'une personne de son vivant. Je ne sais pas si ça fait partout, mais c'est un désir de notre part. Si vous le voulez bien, je vais demander à M. le maire honoraire, M. Goyer, le président de l'harmonie, et puisque M. le président de l'agglo nous a fait l'honneur d'être présent, mais je vais lui demander de venir aussi, parce qu'il faut bien qu'il soit au moins 3 pour tirer sur la ficelle. Voilà, alors, un grand, un moyen, un petit, tous les 3, vous y mettez, et vous lui tirez la ficelle. Voilà, je vous laisse faire. Voilà, alors, en espérant que ça marche. Applaudir une deuxième fois M. Robert Tao pour le féliciter et le remercier.